Osons l'industrie, avec aujourd'hui Maxime, technicien de maintenance des systèmes de production, un métier en pleine évolution. 8 heures. Après s'être changé, Maxime s'entretient avec sa responsable, salue ses collègues et se connecte au serveur pour planifier sa journée de travail. La première intervention a lieu sur un robot de soudure suite à un incident. Grâce à ses lunettes connectées, Maxime peut localiser la panne, ses causes, réparer le robot, et ce très rapidement. Pas le temps de souffler. Quentin, opérateur en production, l'appelle en urgence. La machine sur laquelle il travaille vient de s'arrêter. Maxime connaît les conséquences d'une interruption de la production. Il faut réparer sans attendre. La tablette se connecte pour identifier la panne, la localiser et suivre les process de réparation. Avec une intervention rapide, la production peut reprendre. Maxime et Quentin ont parfaitement géré cette situation et peuvent aller déjeuner l'esprit tranquille. L'après-midi commence par la réunion hebdomadaire de l'équipe production. Ils étudient le fonctionnement de la nouvelle ligne robotisée en vue d'améliorer son efficacité. Chacun repart avec une mission bien définie. De retour à l'atelier, ayant reçu les pièces commandées, Maxime peut remplacer celles usagées sur le robot d'assemblage. Cette intervention permet de prévenir toute panne et garantir une continuité de production. Maxime vérifie que toutes les opérations réalisées ont été retranscrites sur l'outil de gestion tout au long de la journée. 16 heures, la fin de la journée approche. Maxime fait le bilan avec sa responsable et planifie son programme du lendemain. Connectez-vous sur notre chaîne Osons l'Industrie pour découvrir d'autres métiers de l'industrie.